Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et tu es le Dieu de Jacob. Mais pour nous, tu es le Dieu de l'Alliance. Et nous t'appelons Dieu du miracle et de la révélation. Toi qui es le Dieu des églises genèse. Toi qui as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous commençons notre semaine. Et nous commençons notre semaine avec toi. Éternel, le lundi, premier jour ouvrable de cette semaine vient à peine de s'achever. Et nous rentrons à la maison dans les véhicules, nous venons à peine d'arriver à la maison, nous quittons le travail. Après une dure journée, nous avons besoin d'une oreille attentive. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous écoute. Qui de mieux que toi peut nous écouter sans hypocrisie? Qui de mieux que toi peut nous écouter sans moquerie? Qui de mieux que toi peut nous écouter sans nous juger? Qui nous comprend mieux que toi? Au fin fond de nos combats journaliers, tu étais avec nous. Et durant ce lundi, tu as été avec nous durant toute la journée. Et nous voulons simplement te bénir. Nous voulons simplement nous reposer à tes pieds. Parce que nous sommes fatigués. Fatigués et chargés. Et nous croyons qu'en toi, nous avons notre repos. Alléluia. Hey! Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Ah, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Oh oui, nous voulons nous réjouir dans le Dieu de notre salut, incarné en Jésus-Christ, notre roi. Notre Seigneur et notre Sauveur, celui-là même qui est le maître des temps, des circonstances, celui-là même qui est le maître de notre vie. Et nous voulons simplement nous réjouir. Et nous chantons encore s'il vous plaît, que nous voulons nous réjouir dans le Dieu de notre salut, ensemble. Peu importe ce que tu as traversé, chante avec moi. On reprend. Maintenant, let's go. 1, 2, 3, c'est parti. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Ah. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Lui, nous voulons nous réjouir en l'Éternel. C'est lui notre force. Ah, Jésus est son nom, Jésus est son nom. Sois consolé, toi qui es passé par une journée difficile. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais sache que Jésus est avec toi. Et jusqu'ici, il est le Dieu qui t'a secouru. C'est pourquoi trouve le moyen de te réjouir en Jésus-Christ. Trouve le moyen de célébrer, mais en Jésus-Christ. Peu importe ce que tu as traversé, glorifie le Seigneur. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi.
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. 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 Et nous chantons, gloire à Jésus, gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Et nous disons, et Maranatha, Maranatha, Maranatha. Et nous chantons, gloire à Jésus, pour ce lundi, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Et nous disons, gloire à Jésus, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Et nous disons, gloire à l'agneau, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimé, que tu sois dans ton véhicule en train de rentrer à la maison après une journée laboureuse, que tu sois dans ta voiture, que tu sois dans ta maison, que tu sois même encore dans ton lieu de travail ou bien assis dans un coin en train de réfléchir en after work, et tu tombes sur ce direct, sache que ce n'est pas un hasard. Dis merci Seigneur. Pour les Seigneurs, je sais que tout ce qui m'arrive, c'est toi qui permets. Et c'est encore toi qui vas me sortir de la honte. C'est toi qui me sortiras de cette impasse. Et mon âme te bénit. C'est toi mon consolateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas de solution là où je suis assis. Mais je reste convaincu que tu es vivant. Et tu te glorifieras. Je n'ai pas besoin de me compromettre. Je n'ai pas besoin de me livrer au péché, de me livrer à l'abomination, afin de trouver une solution. Je n'ai pas besoin d'aller vers l'obscurité, les ténèbres, dans le but de trouver une solution, parce que je sais que toi, tu es capable de le faire. Et tu le feras. Et tu as déjà fait. Je n'ai juste qu'à attendre que la chose arrive. Hey! L'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. L'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. L'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Et l'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Il est pour ma maison un abri sûr. Jésus, tu es pour mon foyer un abri sûr. Adonai, tu es pour mes finances un abri sûr.
Papa, tu y es pour ma santé, un abri sûr, car tu es pour moi un abri sûr, un abri sûr. Tu es pour moi un abri sûr, Adonai, tu es pour moi un abri sûr. Yahweh, tu es pour moi un abri sûr, un abri sûr. Baba, tu es pour moi un abri sûr, un abri sûr. Et mon âme te bénit. Bien-aimé, lève ta voix avec moi et dis, Seigneur, tu me rassures parce que tu es pour moi un abri sûr. Tu es pour moi une forteresse. Tu es pour moi un rempart. Tu es pour moi l'assurance et la garantie que tout va bien. La garantie que rien de ce que je vois ne peut impacter négativement ma vie parce que la réalité n'est pas la vérité car c'est toi, Christ, qui est ma véritable réalité. Et mon âme te bénit. Et mon âme t'exalte. Et mon âme t'exalte. Je me joins à cette sœur connectée. Je me joins à ce frère. Je me joins à cette âme connectée à cette adoration. Et nous te disons que tu es pour nous un abri. C'est en toi que nous trouvons notre refuge. C'est en toi que nous trouvons notre bonheur. Tu es le sponsor officiel de notre jeunesse. Et avec toi, nous profitons au mieux de notre parcours sur terre. Parce que tu nous gardes dans le creux de ta main. Jalousement, tu nous gardes. Et tu es pour nous un abri sûr. Tu es pour nous une citadelle. Tu es pour nous un abri sûr. Et nous vivons pour te servir. Et nous vivons pour t'adorer. Un jour nouveau s'est levé. Seigneur, peu importe ce que nous traversons, nous allons te servir. Parce que tu nous as sauvés pour sauver. Tu nous as sauvés pour gagner des âmes. Tu nous as sauvés, éternel Dieu de gloire, au-delà de gagner des âmes. Tu nous as sauvés, éternel Dieu de gloire, afin d'envoyer des âmes à ne pas s'éloigner de toi. Et d'envoyer le monde à comprendre que tu es le don gratuit de Dieu. Tu nous as sauvés afin réellement que nous puissions faire des disciples. Et nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Un soleil nouveau s'est levé. Ère nouvelle a commencé depuis que je t'ai choisi, Jésus. Ton esprit est sur moi. Une source d'eau vive coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. Le rassemblé. Tiens ta robe. Je tiens ta main.
Mets-moi où tu veux, mon Dieu. Est-ce que tu peux élever la voix simplement pour dire, Seigneur, je suis prêt à y aller. Je suis prêt à y aller. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Parler de ta grâce. Au monde entier, leur dit que tu es la solution. Je veux parler de toi, Jésus. Parler de ton amour. Leur dit que tu es la solution. Leur dit que tu guéris. En Éthiopie, au Burundi, en Palestine, en Ouganda, au Rwanda. Tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je suis prêt, mon Dieu. Je suis prêt, mon Dieu. Oui, je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi dans les de la RDC. Je veux parler de toi, Jésus. Où t'entier la guérison, la maladie détruite. Pourtant tu es la guérison, la famine ravage. Pourtant tu es la guérison. Je suis prêt, mon Dieu. Je suis prêt, mon Dieu. Oui, je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Là-bas au Burkina, je veux faire ton œuvre. Là-bas à Paris, je veux faire ton œuvre. Oui, je veux faire ton œuvre. Je suis prêt, mon Dieu. Je suis prêt, mon Dieu. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Moi, je veux parler de toi. Aujourd'hui, la jeunesse est détruite. Et moi, je veux parler de toi, la jeunesse. Seigneur, envoie-moi. Envoie ce frère. Envoie cette soeur. Envoie ce papa. Envoie cette maman connectée. Seigneur, envoie-nous. Nous sommes tes enfants. Nous ne pouvons pas être dans ta présence. Et tu chercheras quelqu'un pour faire ton œuvre. N'ignore pas notre présence. Le monde se meurt.
Aujourd'hui, deux hommes veulent se marier, deux femmes veulent se marier. Éternel, des hommes vont avec des animaux. Comment sauront-ils si personne ne leur prêche? Comment est-ce qu'ils arriveront à la repentance si personne ne te révèle à eux? Seigneur, nous nous sommes prêts, nous voulons y aller. Nous voulons y aller. Et je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Moi, je veux parler de toi. Parler de ta grâce au monde entier. Leur dire que tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Je veux faire ton œuvre. Je suis prêt, mon Dieu. Je suis prêt, mon Dieu. Je suis prêt pour aller. Je suis prêt pour la bataille. Je suis prêt pour aller. Je suis prêt pour la bataille. Moi, je suis prêt. Aller au Burundi, aller là-bas en RDC, aller en Éthiopie, aller là-bas au Rwanda. Moi je suis prêt, je suis prêt pour aller. Je suis prêt pour la bataille. Ah, je veux parler de toi. Je veux parler de toi. Leur dire que tu es la solution, Jésus. Leur dire que tu guéris. Leur dire que tu es la solution. Leur dis que tu délivres. Leur dis que tu es la solution, papa. Leur dis que tu restaures des vies. Moi, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt pour aller. Je suis prêt pour la bataille. Oui, je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire? Je veux faire ton œuvre, Seigneur. Seigneur, envoie-moi. Moi, je veux faire ton œuvre. Moi, je veux faire ton œuvre. Moi, je veux faire ton œuvre. Je veux aller dans les carrefours. Je veux aller devant les hôpitaux. Je veux aller dans les villages. Je veux aller dans les capitales de ce monde. Je veux aller dans des endroits où aujourd'hui deux personnes de même sexe peuvent se marier. Je veux aller dans des endroits où aujourd'hui l'un tue son frère pour des biens éphémères. Où aujourd'hui l'homme vend son père, l'homme vend sa mère, l'homme vend ses enfants parce qu'il veut prospérer. Un monde perdu, un monde sans repère, un monde qui se perd, un monde sans Dieu est un monde qui s'égare. Et il n'y a personne pour prêcher, tout le monde à la distraction. Sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, tout le monde à la distraction. Et même l'église est dans des débats inutiles pendant que le monde se meurt. Pendant que des âmes souffrent, pendant que Satan recrute dans des obédiences, pendant que l'occultisme
prends de l'avance pendant que les œuvres des ténèbres se multiplient. Il n'y a personne pour aller parler de toi. Il n'y a personne pour aller annoncer l'évangile. Il n'y a personne pour aller parler à cette jeunesse. Il n'y a personne pour aller parler à ces dirigeants. Il n'y a personne pour aller parler à ces rois. Il n'y a personne pour aller parler à ces décideurs. Il n'y a personne pour aller parler de toi. Pendant que des maladies, des pandémies, des épidémies, le VIH, le coronavirus battent leur plaie, pendant que le monde perd ses repères, les hommes n'ont pas de solution. Pourtant, j'ai la solution, Jésus. Pourtant, j'ai la solution. Le sida détruit. Pourtant, tu es la guérison. Les AVC détruisent des vies. Pourtant, tu es la guérison. Le diabète ravage. Pourtant, tu es la solution, Jésus. Je suis prêt. Je suis prêt pour la bataille. Dans ma famille, moi je suis prêt pour aller. Dans ma région, moi je suis prêt pour aller. Dans ma nation, je suis prêt pour aller. Dis à Dieu, Seigneur, je suis prêt. Utilise-moi. Utilise-moi. Révèle-moi qui je suis. Révèle-moi qui je suis et prends-moi afin d'accomplir ton œuvre ici-bas. Je suis prêt pour aller avec toi. Je suis prêt pour faire ton œuvre. Je suis prêt pour faire ta volonté. Je veux parler de toi au bureau. Je veux parler de toi en famille. Je veux parler de toi à mes amis. Je veux parler de toi à mes collaborateurs. Je veux parler de toi à ma fiancée. Je veux parler de toi à mon fiancé. Je veux parler de toi à mes frères. Je veux parler de toi à mes patrons. Je veux parler de toi à mes employés. Je veux parler de toi. Je veux parler de toi. Je veux parler de toi. Pourtant, j'ai la solution. Moi, je veux parler de toi. Parler de ta grâce au monde entier. Leur dire que tu es la solution. Les bros sont à la baba et les beaux chabraquintes, les beaux sont à la baba. Je suis prêt pour aller. Je suis prêt pour aller. On m'a dit que tu m'appelais au ministère. Baba, je suis prêt pour aller. J'ai longtemps durci mon cœur à l'appel. Mais maintenant, je suis prêt pour la bataille. Oui, je veux faire ton œuvre. À partir de maintenant, je veux faire ton œuvre. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt pour aller. Je suis prêt à prêcher. Je suis prêt pour prier pour les malades. Je suis prêt pour adorer partout dans les nations. Je suis prêt pour enseigner la bonne nouvelle. Moi je suis prêt pour la bataille. Oui, je veux faire ton œuvre. Écoute-moi, laisse la timidité. Il y a un lion qui sommeille en toi. Dieu ne t'a pas appelé à devenir chrétien par hasard. C'est parce qu'en toi, il y a un lion.
Il y a quelqu'un en toi que toi-même tu ne connais pas. Gédéon avait en lui un vaillant héros. Quand Dieu lui disait vaillant héros, il dit pourquoi m'appelles-tu vaillant héros? Oh, il y avait un héros qui dormait en lui. Et plus tard, ce héros s'est réveillé. Je t'assure, pendant que tu regardes ta vie, tu te dis, est-ce que moi je peux servir Dieu? À quoi je peux bien servir? Mais ma question, est-ce que tu es plus intelligent que le Saint-Esprit? Pourquoi il t'a choisi? Personne ne peut devenir chrétien si Dieu ne l'a appelé. Pourquoi donc t'a-t-il appelé? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Pourquoi toi tu es chrétien? Pourquoi Jésus t'a choisi au milieu de tes frères? Pourquoi il t'a pris au milieu de la maison de ton père? Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Aujourd'hui, nous réduisons le ministère seulement qu'au pasteur. Et le peuple de Dieu ne voit pas son ministère. On se dit, moi je ne suis pas appelé au ministère, je suis un simple chrétien. Depuis qu'un chrétien est simple? Un simple chrétien, ça n'existe pas. Un simple chrétien, ça n'existe pas. Parce qu'être chrétien même, c'est un appel. Être chrétien même, c'est un ministère. Être chrétien même, c'est une mission. Être chrétien même, c'est déjà la volonté de Dieu. Être chrétien, c'est déjà une distinction. Être chrétien, c'est déjà être mis à part. Être chrétien, c'est déjà être consacré. Être chrétien, c'est déjà être appelé. Être chrétien, c'est être mandaté. Être chrétien, c'est être rempli du Saint-Esprit. Être chrétien, c'est être éclairé pour devenir la lumière du monde. Être chrétien, c'est marquer son temps, c'est marquer sa génération. Tu ne peux pas être un simple chrétien parce que simple chrétien, ça n'existe pas. Tu ne peux pas être un simple chrétien. Alors dis avec moi, je veux faire ton œuvre. 1, 2, 3. Je veux faire ton œuvre. Ah, dis Seigneur, maintenant je te dis oui. Je te dis oui, envoie-moi, envoie-moi. Envoie-moi. Envoie-moi comme tu as envoyé Isaïe. Envoie-moi comme tu as envoyé Pasteur Sanogo. Envoie-moi comme tu as envoyé l'archevêque Kodja. Envoie-moi comme tu as envoyé Pasteur Marcelo Tounassi. Envoie-moi comme tu les as envoyés. Seigneur, je suis sûr, ce n'est pas des hommes qui sont saints. Comme tu as envoyé le révérend Raoul Wafo. Comme tu as envoyé le patriarche le Paul Mutombo. Comme tu as envoyé le patriarche Jean Robert. Seigneur, envoie-moi. 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 Envoie-moi comme tu as envoyé le Pasteur Yves Castanou. Le Pasteur Ivan Castanou. Éternel, envoie-moi. 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 Ils sont certainement pas saints, mais tu les as envoyés. Ils sont pas sans péché, mais tu les as envoyés. Moi aussi, tu peux m'envoyer. Envoie-moi dans mon état. Et je suis prêt pour aller. Je suis prêt pour aller. Je suis prêt pour aller. Je suis prêt pour la bataille. Oui, je veux faire ton œuvre. Parler de ton amour. Leur dire que tu es la solution. Leur dire que tu guéris. Dire à la jeunesse que tu es la solution. La solution n'est pas chez le marabout. La solution n'est pas chez le féticheur. Jésus, tu es la solution. Je veux dire à ma famille, tu es la solution. Je veux dire à la femme stérile que tu es la solution, Jésus. Je veux dire au chômage, Jésus, c'est toi la solution. Je veux dire aux malades, c'est toi la guérison. Je veux dire à l'opprimé, c'est toi la délivrance. Je suis prêt pour aller. Je suis prêt pour la bataille. Je suis prêt pour aller. Oui, je veux faire. I am the one.
ton onction. Remplis-moi de ta puissance, Baba. Pour aller parler de ton amour. Leur dire que tu es la solution, Jésus. Leur dire que tu guéris. Tu sais, cette adoration, lorsqu'un véritable appelé, quelqu'un qui a vraiment connu Jésus entend cette adoration, elle suscite une prière naturelle pour dire: Seigneur, Seigneur, envoie-moi, ne m'ignore pas, n'ignore pas ma présence. Parce que tu m'as appelé, c'est pour te servir. Tu as fait de moi un chrétien, c'est pour te servir. Tu m'as mis à part, c'est pour te servir. Envoie-moi, fais de moi quelqu'un. Fais de moi quelqu'un dans le domaine politique. Envoie-moi, Seigneur, dans le domaine juridique. Envoie-moi dans le domaine de la communication. Je vais aller au milieu des comptables pour annoncer ton évangile. Je vais aller au milieu des informaticiens parce que je suis informaticien pour annoncer l'évangile. Je vais aller au milieu politique parce que je suis député pour annoncer l'évangile. Et tenez, je ne vais pas rester en marge de cette histoire. Je ne vais pas rester en marge de ce combat. Je suis prêt pour aller. Je suis prêt pour la bataille. Père, envoie-moi. Envoie-moi à l'école afin qu'au milieu de l'université, que je puisse dire à mes amis que tu es Seigneur. Envoie-moi dans mon village pour que je puisse dire à mes parents que tu es Seigneur. Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt pour aller. Parle de ton amour. Leur dis que tu es la solution. Fais de moi un homme qui aime évangéliser. Écoute-moi. Tu sais, à des moments, tu vois des personnes à qui tu veux parler de Jésus et puis Satan te dit: toi comme ça, tu vas parler de Jésus. Toi, toi tu peux évangéliser quelqu'un. Regarde ta vie. Toi, tu peux ouvrir ta bouche parler. Tu es timide là. Écoute, ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu. Laisse-moi te dire, le même Pierre qui avait renié Jésus à la Pentecôte, c'est le même Pierre qui a dit: vous avez renié le Saint. Et il a prêché l'évangile. Et il a dit au peuple: vous avez crucifié le Saint, vous l'avez renié. Oh, il y a quelques jours, c'est lui Pierre qui le reniait. Et Pierre était à la base de la conversion de plusieurs milliers de personnes. Je veux te dire, peu importe ce dont tu t'es rendu coupable, cela ne peut pas empêcher que tu parles de Jésus. Peu importe ce que tu as eu à faire, cela ne peut pas empêcher que tu parles de Jésus. Peu importe ce dans quoi tu tombes, cela ne peut pas empêcher que tu parles de Jésus. Il a dit: sept fois le juste tombe, sept fois il se relève. Écoute-moi bien, ce sont des arguments du diable. C'est Satan qui veut t'éloigner de ta mission. Parce que tu es sauvé pour sauver. Je te rappelle, tu es sauvé pour sauver. Je te rappelle, tu es sauvé pour sauver. Il t'a mis à part. Et au travail, il compte sur toi. Il t'a mis à part. Et dans ta famille, il compte sur toi. Il t'a mis à part. Et dans ta nation, il compte sur toi. Il t'a mis à part. Et dans ton église, il compte sur toi. Il t'a mis à part. Ne dis pas: je suis un enfant. Parce que Jérémie a dit: je ne peux pas parler parce que je ne suis qu'un enfant. Et Dieu lui a dit: ne dis pas je suis un enfant quand ma parole sera sûre dans ta bouche. Ne dis pas que tu es un enfant. Quelqu'un te l'a dit: moi je suis trop vieux. Ça c'est pour les jeunes. Ne dis pas que tu es trop vieux. Abraham avait 75 ans quand Dieu commençait avec lui. Abraham avait 75 ans quand Dieu commençait avec lui. Jérémie avait 17 ans quand Dieu commençait avec lui. Tu n'es ni trop jeune ni trop vieux. Tu es juste comme il faut pour que la mission s'accomplisse. S'il se révèle à toi maintenant, c'est parce que c'est maintenant qu'il veut t'envoyer. Ne regarde pas le handicap de ton âge parce que ton âge n'a jamais été un handicap. Je suis prêt pour aller. Je suis prêt pour la bataille. Oui, je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Je veux parler de toi. Parler de ta grâce,
dit que tu es la solution. Leur dit que tu guéris. Leur dit que tu délivres, Jésus. Parlez de ton amour. Leur dit que tu apportes la délivrance. Leur dit que tu restaures des vies. Au monde entier, moi, je veux être ton œuvre. Oui, je veux être ton œuvre. Je veux être ton œuvre. Oh, je suis prêt pour aller. Je suis prêt pour la bataille. Envoie-moi dans les nations. Éternel, envoie-moi dans les villages. Adonai, envoie-moi dans les communes. Éternel, envoie-moi dans les régions. Moi, je suis prêt pour aller. Je suis prêt pour la bataille. Oui, je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. En Éthiopie, en Burundi, en Palestine, au Rwanda, en Ouganda, tu es la solution. En RDC, au Burkina, tu es la solution. En Libye, en Algérie, tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi, Jésus. Envoie-moi. 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 Tu sais, ce direct va semer dans ton cœur un feu. Un feu qui est le feu du zèle de l'évangile. Et tout d'un coup, tu seras rempli de l'envie de parler de Jésus. Tu seras rempli de l'envie de prier. Tu seras rempli de l'envie de prier pour les malades, d'intercéder pour tes frères, de prier pour ta mère, prier pour tes parents, prier pour tes amis. Tu seras rempli de feu qui t'enverra dire à ta camarade qui pleure dans son foyer, Jésus est la solution. Pas besoin d'aller chez les marabouts, pas besoin d'aller chez les féticheurs, mais Jésus peut restaurer ta maison. Celle qui a des fausses couches, tu auras un feu en toi qui va t'envoyer à lui dire, essuie tes larmes, parce que Jésus te donnera un enfant quand il est dit à ton sujet que la stérile enfantera 7 fois. Tu n'as pas besoin d'aller vers des rivières sacrées. Jésus te donnera ton enfant. Oui, toi qui m'écoutes, tu seras rempli d'un feu qui t'enverra dire à un collègue pour la promotion, nul besoin d'aller faire des incantations je ne sais où. Jésus peut te donner la promotion. Tu diras à quelqu'un dans le marché, pour que ton commerce marche, tu n'as pas besoin d'aller prendre du sang de je ne sais quoi. Mais le sang de Jésus peut envoyer ton commerce à prospérer. Tu seras tenté de dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de te prostituer parce que Jésus peut te nourrir. Tu seras tenté de dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'être un braqueur, d'être un vendeur de drogue parce que Jésus peut te restaurer, il peut te bénir. Jésus est puissant pour te sortir de la boue, pour te faire asseoir à la table des rois. Un feu se déclenche en toi. Jésus fait des miracles. En son nom, nous sommes guéris. En son nom, nous sommes guéris.
par son nom, les sourds entendent. En son nom, nous sommes guéris. Quelqu'un peut mettre en commentaire, Jésus fait des miracles. Par son nom, nous sommes guéris. Mets en commentaire, Jésus fait des miracles. Et réponds avec moi, Jésus fait des miracles. 1, 2, 3, ensemble. Jésus fait des miracles. En son nom, les aveugles voient. Jésus fait des miracles. En son nom, nous sommes bénis. Jésus fait. En son nom, nous sommes sauvés. Par son nom, nous sommes guéris. Par son nom, les boîtes marchent. De miracles, par son nom, nous sommes délivrés. Et sa gloire nous guérit. En son nom, nous sommes guéris. Des miracles, en son nom, nous sommes prospères. En son nom, nous sommes délivrés. Que les mauvais esprits libèrent vos vies au nom suprême de Jésus. Que la maladie libère vos corps au nom suprême de Jésus. Le nom de Jésus est capable de guérir. En son nom, nous sommes restaurés. En son nom, nous sommes délivrés. En son nom, nous sommes restaurés. Que le mal était au niveau de ta tête, que Jésus te guérisse. Que Jésus te guérisse de ce problème de cœur. Que Jésus te guérisse de ce problème au niveau de tes entrailles, de ta partie génitale. Que Jésus te guérisse au niveau de ton articulation. Qu'il te guérisse au niveau de tes yeux, de tes oreilles, de ta tête, de ton cou, au niveau de tes pieds, au niveau de tes os, au niveau de ton sang, au niveau de tes organes. Que Jésus te guérisse au niveau de ton poumon. Que Jésus te guérisse. Jésus fait des miracles. Par son nom, nous sommes guéris. Des miracles, par son nom, nous sommes sauvés. Des miracles, en son nom, nous sommes délivrés. Je déclare et j'ordonne que tout esprit de mari, de femme, de nuit libère ta vie au nom de Jésus. Que la reine des côtes, ce démon de séduction, la sirène des eaux, qui empêche la stabilité sentimentale dans ta vie, qui t'envoie aller d'homme en homme, de femme en femme, qui te mène dans une forme d'instabilité que tu n'arrives pas à gérer. Tu ne peux pas rester avec le même ou la même partenaire longtemps parce que un esprit des eaux est dans ta vie et il t'envoie aller d'une instabilité. Il fait de ton corps le jeu des hommes. Il fait de ton corps le jeu des femmes. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Jésus vient chasser de ta vie ce démon au nom de Jésus. Il te libère au nom de Jésus. Il te libère au nom de Jésus. Il te libère au nom de Jésus. Un mal mystérieux a envahi ta vie à cause d'un démon mystère. Ce démon, cet esprit de mort envoie une maladie à se déplacer dans ton corps. Et les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer ce mal parce que ce mal est purement mystique. Ce mal est purement spirituel. Ce mal est purement surnaturel. Mais le nom de Jésus, ce nom qui transcende toutes les dimensions,
ce nom qui opère tant dans le physique que dans l'invisible, ce nom qui guérit, ce nom qui délivre, il chasse maintenant cet esprit de mort, il renvoie à l'envoyeur cet envoûtement, ce sortilège libère ton corps, et tu es guéri, tu es délivré, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Des miracles, par son nom, nous sommes sauvés. En son nom, nous sommes sauvés. Le mal héréditaire que tu tiens de ton père ou de ta mère, quand ça serait le diabète, quand ça serait la drépanocytose, ou je ne sais quel autre mal, le cataracte, la cataracte et toute maladie semblable reçue génétiquement, je prie que le sang de Jésus maintenant se substitue au sang de ta lignée et qu'il vienne purifier ton sang de tout ce que tu as subi par héritage depuis le sein maternel. Toute maladie, toute myopie, toute maladie au niveau du sang, toute maladie au niveau de tes organes, toute maladie au niveau de ton corps, au niveau de tes membres, au niveau de tes os, au niveau de ta vue, au niveau de ton oreille, toute maladie héréditaire, au niveau de ta tension, au niveau de ton taux de glycémie, toute maladie qui rôde dans ta famille, serait-ce l'asthme, vous êtes asthmatique dans votre famille, serait-ce la drépanocytose, vous êtes malade dans votre famille, serait-ce la tension, tout le monde fait les AVC, serait-ce le diabète, tout le monde a un taux de glycémie élevé, serait-ce le glaucome, à un moment donné vous perdez la vue, et vous perdez la vue, vous portez des lunettes, des loupes, à des moments vous avez la cataracte, et des gens se manifestent ainsi dans la famille, et la maladie domine, elle a dominé ton père, elle a dominé ta mère, elle a dominé tes frères, mais sur toi, toi qui m'entends, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Quel est le mal qui rôdait dans ta vie? Jésus fait des miracles. Jésus te guérit. Jésus te libère. Jésus te restaure. Jésus te renouvelle. Jésus te libère. Il libère ton corps. Il libère ta tête. Il libère ton sang. Il libère tes organes. Il libère tes membres. Au nom de Jésus, cette maladie héréditaire libère ta vie à l'instant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, si tu avais une douleur, pose la main là, tu avais mal. Jésus te guérit. Tu avais un symptôme, il disparaît. Tu avais un ressentiment, il disparaît. Tu avais une sensation dans ton corps, elle te libère. Tu avais une boule dans ton corps, la boule disparaît. Au nom de Jésus, ce nom puissant qui opère des miracles, ce nom puissant qui délivre des envoûtements. Toi, qu'ils ont pris ta photo pour aller chez les marabouts, pour faire des incantations. Et de leur lieu de travail, ils t'ont envoûté. Par la compétition dans le commerce, ils ont envoûté ton magasin. Ils ont envoûté ton nom. Ils ont envoûté ton image. Ils ont travaillé avec toi. Et ils ont bloqué ta vie. Ils ont bloqué tes activités. Ils ont éloigné tes clients. Ils ont perdu ton temps du point de vue professionnel. Et tu as tourné en rond longtemps. Pendant que je parle, Jésus brise ta chaîne. Jésus brise ta chaîne. Jésus brise ta chaîne. Là où on t'avait positionné, qui empêchait ton ascension, l'Éternel te libère. Il te libère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'ouvrier mérite son salaire. Mais tu travailles et tu ne prospères pas. Et tu ne profites pas du produit de ton travail. Je déclare que l'Éternel te libère de toute forme de captivité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus fait miracle. En son nom, nous sommes sauvés. Et sa gloire nous guérit. Et miracle en son nom, nous sommes guéris. Et sa gloire nous guérit. Crois simplement, et je te dis qu'il te guérit.
Ceux qui ont l'habitude de suivre mes directs savent de quoi Jésus est capable. Crois simplement et je t'annonce que la douleur que tu ressentais vient de disparaître. Je t'annonce que plus jamais tu ne feras de fausse couche. Crois simplement et réponds Amen. Et tu donneras naissance à un fils. Et l'Éternel te bénira d'un enfant. Plus jamais des enfants ne tomberont de ton sein. Plus jamais tu pourras réellement des enfants qui tomberont de ton sein. L'Éternel restaure tes trompes. L'Éternel restaure ta partie génitale. Et tu porteras maintenant un enfant jusqu'à lui donner la naissance. Parce que l'Éternel te libère de cet esprit de mort. Ce démon qui venait dévorer les enfants dans tes entrailles. Ce démon te libère au nom suprême de Jésus. Il libère ta vie au nom suprême de Jésus. Reçois la délivrance, reçois la visitation et la touche du Saint-Esprit. Étais-tu malade? Lève-toi maintenant et commence à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Tu ne peux pas marcher, lève-toi et marche. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ fait des miracles. Jésus-Christ te restaure. Sa puissance et sa gloire te renouvellent. Il te libère, 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 il te libère. Jésus fait des miracles. Jésus, Jésus, tu fais des miracles. Tu fais des miracles. Toi qui suis ce direct, tu as été frappé d'un AVC et tu as perdu l'usage de ton côté gauche. Jésus te restaure. Jésus te restaure. Jésus te restaure. Jésus te restaure. Commence à marcher maintenant, car le nom de Jésus. Je ne te parle pas en ma capacité, je parle de la capacité de quelqu'un qui est bien plus puissant que moi. Et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis, il te restaure. Et ton côté gauche qui était incapable de se mouvoir, commence à se mouvoir. Avais-tu une chute et ton os s'est brisé. Et ton os a du mal à se consolider. Et l'os a du mal à se souder. L'os a du mal à se consolider. Mais écoute-moi, Jésus-Christ te guérit. Il consolide ton os. Lève-toi maintenant et marche. Et reçois la délivrance systématique et instantanée. Jésus-Christ fait des miracles. Jésus-Christ délivre. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ délivre. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ libère. Jésus-Christ libère. Il te donne du repos. Toi depuis longtemps, à chaque fois que tu as de l'argent, ton argent va dans des ordonnances. Il te donne du repos. Toi qui es fatigué par un mal, tu es fatigué par un démon, tu es tourmenté par un esprit. La nuit il te poursuit. Tu vois des serpents dans tes rêves. Tu es dans la boue dans tes rêves. Des inondations dans tes rêves. Des animaux bizarres te poursuivent pendant la nuit. Et tu ne comprends pas. Et tu ne sais pas à quel saint te vouer. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te libère. Jésus-Christ te renouvelle. Au nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Et que les esprits qui te tourmentaient te libèrent à l'instant même. Que les esprits qui tourmentaient ta maison, tourmentaient ta nuit, te libèrent à l'instant même. Que les démons qui tourmentaient tes enfants te les libèrent à l'instant même. Pendant que tu entends le chant de ma voix, la capacité du nom de Jésus apporte la délivrance dans ta vie, dans la vie de ta mère, dans la vie de ton père, dans la vie de tes frères et sœurs, dans la vie de tes enfants et dans ta propre vie. Tu es impacté par le nom de Jésus. Reçois la délivrance, reçois la guérison. Reçois la délivrance, reçois la guérison, nom de Jésus. Et pendant que de ta famille tu reçois un héritage de foi de malédiction, l'héritage que nous recevons de Jésus c'est la bénédiction. Alors reçois la bénédiction. Que toute malédiction familiale qui pesait sur ta vie se change maintenant en bénédiction. Elle se change en bénédiction. Tu ne finiras pas comme ton père a fini. Tu ne finiras pas comme ta mère a fini. Tu ne finiras pas comme tes oncles et tes tantes ont fini. J'ai dit la loi qui était dans ta famille, qui empêchait que vous dépassiez certains niveaux, cette loi est abolie dans ta vie.
elle est abolie dans ta vie. Pendant que tu dis amen avec la foi, le nom de Jésus brise la malédiction. Il brise la malédiction. Il brise la malédiction. Il brise la malédiction. Tu accompliras comme Gédéon ce que personne n'a réussi à accomplir dans ta maison, dans ta famille. Là où personne n'est arrivé, toi tu arriveras. Ceux qui n'ont jamais touché, tu toucheras. J'ai dit les pays qui n'ont jamais visité, tu les visiteras. Là où leurs noms ne sont jamais allés, ton nom ira. Parce que tu es délivré de cette malédiction. Tu es libéré de cette malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Nom de Jésus. Jésus fait des miracles. En son nom, nous sommes sauvés. En son nom, nous sommes sauvés. Des miracles. En son nom, nous sommes délivrés. Jésus fait des miracles. Et sa gloire nous guérit. Pendant que tu entends d'entendre le son de ma voix, tu ressens quelque chose te traverser comme l'électricité. Ce mouvement s'appelle l'onction. Tu ressens quelque chose comme des frissons. Ce mouvement s'appelle l'onction. Tu ressens un vent bizarre te souffler. Ce vent est le vent du Saint-Esprit. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Parce que depuis le sein maternel, il t'a mis à part. Il t'a mis à part. Raison pour laquelle tu es combattu. Raison pour laquelle tu es persécuté. Mais maintenant, au niveau de ton pied gauche, tu sens une électricité. Au niveau de ta main, tu sens un courant te traverser. Au niveau de ton cou, au niveau de tes oreilles, tu sens quelque chose traverser ton corps comme une électricité. Tu sens un vent léger te traverser. C'est la puissance de Jésus. C'est la grâce de Jésus. Reçois maintenant sa visitation. Il vient te remplir. Il vient renouer avec toi. Il vient te remplir. Il vient renouer avec toi. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Hey. Et sa gloire nous guérit. Des miracles. Et sa gloire nous guérit. Jésus fait des miracles. En son nom, les aveugles voient. Jésus fait des miracles. Par son nom, nous sommes sauvés. Oui, il fait des miracles. Il fait des miracles. Écoute, ce qui me met à cœur maintenant de te dire, c'est qu'il va restaurer ta vie spirituelle. Il va te donner son esprit. Il y a un cantique qui dit, allons-y voir Jérusalem. La pierre est ôtée, le Christ est ressuscité. Et son esprit est parmi nous. Écoute-moi, il vient maintenant briser ce qui était la lourdeur. Parce que quand tu veux prier, tu ne peux pas parce qu'il y a un esprit qui t'alourdit. Mais quand il s'agit de causer, tu arrives à causer. Mais à chaque fois que tu décides de prier, une lourdeur que tu n'arrives pas à expliquer descend sur toi. Tu peux lire, scroller sur les réseaux sociaux. Mais quand tu décides de lire ta Bible, une lourdeur tombe sur toi. Parce que Satan a un problème avec ton intimité avec Dieu. Il veut t'empêcher de toucher le Seigneur. Il veut t'empêcher d'avoir une intimité avec Dieu. Parce qu'il sait qu'en toi, il y a un lion, il y a une lionne qui sommeille. Et si cette lionne arrive à rentrer en contact avec le lion de la tribu de Juda, une dimension catastrophique va rejaillir de toi. Parce que simplement,
ce que ta vie va engendrer, le monde des ténèbres le redoute. Tu fais peur au monde des ténèbres. Et allons y voir Jérusalem. La pierre a été ôtée. Le Christ est ressuscité. Et sa gloire est parmi nous. Oh Jésus, nous t'aimons. Oh, je ressens ta présence et je t'aime. Quelle onction, quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Quand je t'adore, je me lève vers toi. Et quand je te loue, tu descends dans ma louange. Allons y voir à Jérusalem. La pierre a été ôtée. Le Christ est ressuscité. Et sa gloire est parmi nous. Allons y voir à Jérusalem. La pierre est enroulée. Jésus est ressuscité. Et sa gloire est parmi nous. Et sa gloire est dans ta vie. Et sa gloire est dans ta maison. Et sa gloire est dans ton foyer. Et sa gloire est parmi nous. Le Fils de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est en ce lieu. Il est en ce lieu. Oh, il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Le roi de gloire est dans ta vie. Il est dans ma 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 vie. Le Saint-Esprit est avec toi. Il est avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi. Et moi je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Oh oui, le Saint-Esprit est avec toi. Tout le monde peut t'abandonner, mais lui, il n'abandonne jamais. Il est l'ami fidèle. Tout le monde peut te laisser, mais lui, il ne laisse jamais. Ton père et ta mère peuvent te tourner le dos. Les amis peuvent te tourner le dos. Et Jésus est fidèle. Papa est fidèle. Ton mari peut te tourner le dos. Même ta femme peut te tourner le dos. Mais Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Et j'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées. Le sang sortait de son côté. Ici. Et il a dit,
je suis sauvé. Et il a dit, je suis sauvé. Hey, c'est là que mes ennemis ont eu le problème. Il était sur la croix. Et il a dit, Wilfried, tu es sauvé. Hey, c'est pourquoi on fait la guerre, on ne peut pas te vaincre. Parce qu'il a dit. Et il a dit, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Et il a dit, je suis sauvé. J'ai vu un homme, oh, sur la croix. Il avait les mains percées. Le sang sortait de son côté. Et il a dit, je suis sauvé, je suis sauvé, hey, je suis sauvé, hey, je suis sauvé, hey, je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Onction, onction, onction dans le nom de Jésus. Onction, onction, onction dans le nom de Jésus. Onction, onction, onction dans le nom de Jésus. Onction, onction. Onction dans le nom de Jésus. Il te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Te guérit aujourd'hui. Jésus te guérit aujourd'hui. Il te restaure aujourd'hui. Jésus te restaure aujourd'hui. Tu restaures aujourd'hui. Jésus te restaure aujourd'hui. Ami, ami, mon ami. Jésus t'appelle aujourd'hui. Ami, ami, oh, Jésus t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Écoute-moi, toi qui n'as jamais accepté le Seigneur, Jésus t'appelle aujourd'hui. Envoie-moi un WhatsApp où tu vas écrire seulement « Je reçois Jésus » au plus 225 07 07 07 09 18. Envoie un WhatsApp pendant que le numéro s'affiche à l'écran au plus 225 07 07 07 09 18. J'accepte Jésus. Tu lui envoies juste le message. Et je vais t'envoyer la prière de confession parce que par ce cantique, je te dis que Jésus t'appelle. Laisse toutes les amulettes. Laisse les incantations. Laisse les canaries. Laisse tout ça. Jésus t'appelle. Expérimente Jésus. Ami, ami, mon ami. Ami, ami, mon ami, oh, il t'appelle aujourd'hui, il t'appelle aujourd'hui, toi mon frère, il t'appelle aujourd'hui, toi ma soeur, il t'appelle aujourd'hui, maman, il t'appelle aujourd'hui. Toi qui es malade, il t'appelle aujourd'hui. Toi qui es dans le chômage, il t'appelle aujourd'hui. Dans le célibat, il t'appelle aujourd'hui. Toi qui es dans les blocages, il t'appelle aujourd'hui.
dans la misère, il t'appelle aujourd'hui. Toi qui es prospère, Jésus t'appelle aujourd'hui. Oh ami, il t'appelle aujourd'hui. Ami, ami, mon ami. Il changera ta vie. Il te donnera de l'espoir. Hey. Il changera ta vie. Il te donnera de l'espoir. Jésus changera ta vie. Il te donnera de l'espoir. Même si tu es malade, écoute. Il changera ta vie. Il te donnera de l'espoir. Même si tu es pauvre, écoute-moi. Il changera ta vie. Et il te donnera de l'espoir. Écoute, Jésus changera ta vie. Il te donnera de l'espoir. Ami, ami, mon ami, Jésus t'appelle aujourd'hui. Tu peux répondre à l'appel de Jésus. Envoie seulement au WhatsApp qui est affiché, au numéro qui est affiché, je reçois Jésus dans ma vie. Réponds à son appel. Il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Et il t'appelle aujourd'hui. Ami, il t'appelle aujourd'hui. Toi qui souffres, il t'appelle aujourd'hui. Toi qui pleures, il t'appelle aujourd'hui. Toi, mon frère, il t'appelle aujourd'hui. Ami, il t'appelle aujourd'hui. Mon frère, il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Ami, il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Toi, mon frère, il t'appelle aujourd'hui. Toi, ma soeur, il t'appelle aujourd'hui. Et il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Réponds à son appel. Que la paix, la grâce et la faveur soient sur votre vie. Je vous aime de l'amour de Christ. Et j'espère que vous avez passé un excellent moment avec nous dans la présence du Saint-Esprit. Que cette présence ne te quitte jamais. Que la présence du Saint-Esprit ne quitte jamais ta maison, qu'elle ne quitte jamais ton lieu de travail, qu'elle ne quitte jamais ta vie, qu'elle ne quitte jamais la vie de tes enfants. Je bénis ta maison, je bénis ta vie, je bénis ton lieu de travail, je bénis ton bureau, je bénis ton magasin, je bénis ton lieu de commerce, je bénis tout ce que tu fais, tout ce dans quoi tu te trouves. Et je déclare que toute mauvaise personne s'éloigne de toi. Je te déclare béni au nom suprême de Jésus. Tu es béni à ton aller, tu es béni à ton retour, ta santé est bénie, tes finances sont bénies, tout ce que tu entreprends est béni. La malédiction n'a plus sa place dans ta vie. Et que cette flamme d'adoration, réellement, qui s'est allumée aujourd'hui par ces cantiques, fasse de toi un adorateur. Car c'est cela que le Père recherche. Que la main de l'Éternel soit sur ta vie. Et que le bonheur et la grâce s'attachent à ta vie tous les jours de ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. À bientôt. Shalom. Bonne soirée.